Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Klippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'asso NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'asso comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la deuxième vidéo de notre nouvelle série consacrée aux futurs projets Naughty Dog, que ce soit les jeux, les films, les séries, avec toutes les choses que l'on sait à ce jour sur ces derniers. Nous sommes en train donc de lancer ces nouveaux formats sur notre site et notre chaîne YouTube, avec déjà la semaine dernière tout ce que l'on sait sur la saison 2 de The Last of Us HBO, dont le tournage vient de commencer. Et donc, avec les fils rouges, ce sont des dossiers consacrés au projet Naughty Dog qui n'ont pas été encore officiellement annoncés, avec un récapitulatif de tous les événements liés à ces derniers au cours des derniers mois et des dernières années, les annonces, déclarations officielles, rumeurs très plausibles, rumeurs et fake news que nous débunkons. Les dossiers, ce que l'on sait à ce jour, sont les articles régulièrement mis à jour qui sont un gros récapitulatif de toutes les informations officielles dévoilées par Naughty Dog dès l'annonce officielle de leur jeu ou de leur projet. Ces dossiers fil rouge et ce que l'on sait à ce jour seront régulièrement mis à jour chaque semaine, chaque mois en fonction des nouvelles informations sur notre site. N'hésitez pas à les consulter régulièrement, le lien de ces dossiers sont dans la description de la vidéo. Bien entendu, impossible de mettre à jour une vidéo contrairement à un article écrit, c'est pourquoi nous réaliserons également une fois par an en moyenne une grosse mise à jour en vidéo pour vous tenir informé des dernières actualités et des changements qu'il y a eu, s'il y en a eu, autour de ces projets. Pour cette deuxième vidéo, après avoir parlé donc de toutes les choses que l'on sait sur la saison 2 de The Last of Us, nous allons nous concentrer toujours sur la licence The Last of Us, mais sur la fameuse partie 3 tant attendue. C'est parti! La toute première fois où nous avons entendu parler de The Last of Us Partie 3, c'était en juin 2020, juste avant la sortie de The Last of Us Partie 2. Plus précisément, c'était le 10 juin 2020 que Naughty Dog évoque officiellement une suite par l'intermédiaire de Neil Druckmann. Alors que le co-président répondait à de nombreuses interviews dans le cadre de la campagne promotionnelle de la partie 2, certaines questions portaient déjà sur une éventuelle suite. Tout en restant prudent, Neil Druckmann confirmait que la suite des événements n'était pas encore totalement décidée chez Naughty Dog et que cela pourrait être une suite mais également une partie 3. Mais à ce moment-là, il était trop tôt pour pouvoir en discuter. Quasiment un an plus tard, le 28 avril 2021, c'est une nouvelle fois Neil Druckmann qui évoque et confirme tout simplement que le début des travaux ont débuté sur la partie 3. À cette époque, Neil Druckmann et Eli Gross sont invités dans le podcast Script Apart de Hal Horner pour parler de la série The Last of Us et plus largement de la licence. Après avoir été très hésitant, Neil Druckmann lâche le morceau en annonçant dans le podcast que l'écriture de The Last of Us partie 3 avait débuté, où lui-même et Eli Gross avaient écrit les grandes lignes de l'histoire. Neil Druckmann n'entrait pas dans les détails, mais cela confirmait ainsi qu'en avril 2021, la pré-production du jeu était en marche. Plus d'un an plus tard, le 14 décembre 2022,
ce sont les insiders qui font bouger les choses. Et plus précisément, c'était l'insider Viewer Anon qui s'était déjà illustré en étant le premier à annoncer l'existence de Crash Bandicoot 4 It's About Time, mais aussi qui avait été le premier à confirmer le rôle d'Ashley Johnson dans la série The Last of Us et qui confirmait que The Last of Us Partie 3 venait d'achever sa période de pré-production et que le jeu se préparait à entrer en phase de développement chez Naughty Dog. Quelques semaines plus tard, le 1er janvier 2023, dans son tweet pour souhaiter ses meilleurs vœux à la communauté, Neil Druckmann rappelait tout de même qu'il ne fallait pas trop prendre pour acquis les informations des insiders. Mais dans un autre temps, une semaine après, le 6 janvier 2023, ce même Neil Druckmann confirmait dans les lignes du magazine The Hollywood Reporter que selon lui, il pourrait bien y avoir d'autres histoires à raconter concernant la suite de The Last of Us. Une vingtaine de jours plus tard, le 27 janvier, Neil Druckmann rajoute de l'huile sur le feu. Au cours d'une énième interview, le co-président des Dogs confirme qu'un The Last of Us Partie 3 pourrait voir le jour à une seule condition, que Naughty Dog trouve une histoire convaincante au message universel. C'était selon lui la seule condition qu'il fallait remplir pour que le projet soit officiellement lancé. Un message énigmatique qui laissait sous-entendre que le début d'écriture du jeu en avril 2021 n'aurait pas encore totalement trouvé cette histoire-là. Le 7 février 2023, c'est Troy Baker, l'acteur qui incarne Joel, qui s'exprime. Ce dernier confirme qu'il n'est au courant de rien et qu'il n'a pas entendu parler de quoi que ce soit. En revanche, il avoue que si une troisième partie est mise en place, il aimerait beaucoup reprendre son rôle de Joel par l'intermédiaire de flashbacks. Plus précisément, Troy Baker a déclaré « Si Neil a une histoire qu'il veut raconter et qu'il veut que je fasse partie de quelque manière que ce soit, je suis là 7 jours sur 7 et 2 fois le dimanche ». Après ce début d'année 2023 assez intense, les choses se calment pour quelques semaines jusqu'au début de l'été. Le 7 juillet 2023, ce sont une nouvelle fois les insiders qui s'emballent. Viewer Anon, encore lui, qui avait donc confirmé la fin de pré-production en décembre 2022, réitère ses propos, confirmant que la partie 3 est bien en production. D'autres insiders confirment ses propos et annoncent même un début de motion capture du côté de Naughty Dog. Là encore, impossible de confirmer quoi que ce soit à l'époque, ne faisant confiance qu'à ces insiders qui ont pu, par le passé, valider certaines de leurs infos, tout en diffusant tout de même quelques fausses informations. Pour la rentrée de septembre, c'est Neil Druckmann qui revient en grande forme pour parler de la licence The Last of Us pour les 10 ans de cette dernière et à l'approche du The Last of Us Day. L'occasion d'évoquer également les préparatifs pour la saison 2, le fameux standalone multijoueur et naturellement, la conversation s'éloigne pour parler de The Last of Us Partie 3. Et là encore, le co-président des Dogs joue avec les fans déclarant qu'il ne peut absolument rien dire de peur de se faire tuer par son chargé de communication. Un mois plus tard, le 8 octobre 2023, c'est l'actrice Shannon Woodward qui fait parler d'elle avec une photo intrigante sur son Instagram. L'actrice qui incarne Dina dans la partie 2 publie une photo en tenue de motion capture avec la légende « Jeux vidéo top secret ». Naturellement, comment ne pas penser au fait qu'elle tourne les premières séquences de Dina dans The Last of Us Partie 3 ? Surtout qu'à ce jour, cette actrice n'a joué dans aucun jeu vidéo de toute sa carrière à part The Last of Us Partie 2. Donc sa prestation de Dina lui aurait-elle permis de décrocher un autre rôle chez un autre studio ou alors un autre rôle pour un jeu Naughty Dog ? Car oui, on le sait que les Dogs aiment bien garder leurs acteurs, par exemple Nolan North qui incarne Nathan Drake, mais également David dans The Last of Us ou encore plusieurs acteurs d'Uncharted qui sont venus dans la série The Last of Us et vice-versa. Ou tout simplement, Shannon Woodward tease-t-elle les premières séquences de Dina dans une partie 3 ? Dans tous les cas, là encore, cette photo et rumeur coïncident clairement avec les rumeurs des insiders, mais sont impossibles à vérifier. Le 30 novembre 2023, au cours d'une nouvelle interview, Neil Druckmann se montre beaucoup moins bavard et titillant concernant l'avenir de The Last of Us. Ce que l'on ne savait pas à l'époque, c'est que les Dogs étaient sur le point d'annoncer l'annulation du standalone multijoueur. Dans cette même interview, lorsque le journaliste lui demande où est-ce que ça en est pour la potentielle partie 3, Neil Druckmann répond simplement qu'il n'a rien à dire à ce sujet. Le 9 décembre 2023, peu après l'annonce de l'annulation du standalone multijoueur, c'est l'acteur Jeffrey Pierce, qui incarne Perry dans la série The Last of Us et Tommy dans les jeux, qui confirme lors d'une interview qu'il ne sait rien et qu'il n'avait rien entendu parler autour d'une potentielle suite du jeu. Enfin, le 2 février dernier, après la sortie de The Last of Us Partie 2 Remastered, Naughty Dog a diffusé le documentaire Grounded Partie 2. Et en conclusion du documentaire de 2 heures, que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre chaîne en VO et sous-titré en français, que l'on vous recommande chaudement, Neil Druckmann confirme qu'un nouveau The Last of Us devrait bel et bien voir le jour. Alors maintenant, la question est de savoir quand.
Car selon la déclaration de Neil Druckmann, le thème de ce nouveau jeu viendrait d'être trouvé, du moins les séquences datent du mois d'avril 2023. Cela fait donc moins d'un an que le thème de cette suite viendrait d'être trouvé, laissant sous-entendre qu'il y aurait tout le procédé d'écriture à mettre en place et donc que cette partie 3 n'en serait qu'au tout début de sa phase de pré-production. Si cela s'avère être vrai, on peut clairement compter 4 à 5 ans à partir du début de la pré-production pour voir The Last of Us partie 3 arriver. Donc depuis avril 2023, cela fait que le jeu serait pas attendu avant 2027 voire 2028. En revanche, toutes les déclarations et les teasings de Neil Druckmann ne sont pas à oublier. Lui qui a annoncé en avril 2021 qu'il avait commencé à écrire les grandes lignes aux côtés de Hayley Gross, ce qui confirmerait donc que cette partie 3 aurait pu achever sa phase de pré-production en décembre 2022 pour entamer sa phase de développement début 2023. Neil Druckmann aurait simplement voulu noyer le poisson en parlant du début d'écriture dans le documentaire Grounded. Ainsi, admettons que la production aurait réellement débuté l'an dernier et que la séquence de motion capture au début de l'été, alors il serait possible que cette partie 3 puisse arriver dès 2026. Hélas, à ce jour, impossible de confirmer précisément quand a débuté le projet The Last of Us partie 3. Une chose est sûre, depuis 2020, Neil Druckmann et Naughty Dog jouent avec les fans. Sachant que de nombreux fans ne sont pas des joueurs hardcore et qui ne savent pas la différence entre pré-production et développement actif, il est quasiment certain que la suite est d'ores et déjà en chantier. Ce serait jouer un jeu dangereux de taquiner les fans à ce point pour finalement ne pas concrétiser le projet et annoncer qu'il n'y aura pas de suite, surtout après l'annonce et de l'abandon du projet Stand Alone. Pour rappel, la phase de pré-production est une phase de concept où les équipes vont réfléchir à ce qu'ils pourraient faire avec un projet. Lorsqu'un jeu est en phase de pré-production, cela ne veut absolument pas dire qu'il verra le jour. La preuve avec Jak & Dexter 4 qui fut en pré-production pendant plus de 6 mois avant d'être officiellement annulé. Lorsqu'un jeu sort de sa phase de pré-production pour entrer en développement actif, cela veut dire que le studio a trouvé les idées et la direction dans laquelle il souhaitait aller. Il y a donc de très grandes chances pour que le projet aboutisse et que le jeu finisse par sortir, sauf rares cas exceptionnels. Voilà pour tout ce que l'on sait à ce jour sur The Last of Us Partie 3 en mois de février 2024. C'est tout pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre troisième vidéo dédiée à tout ce que l'on sait sur les projets Naughty Dog qui sera quant à elle dédiée au second film Uncharted. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !